Voilà ce qui arrive parfois aux États-Unis quand on appelle la police. Des interpellations musclées, des coups au visage portés contre des personnes sans défense. Vous savez là, vous savez là. Une violence non justifiée, parfois mortelle. La dernière victime emblématique, c'est Eric Garner. On le voit ici, arrêté par des policiers de New York. À 11 reprises, il répète qu'il ne peut pas respirer. Il meurt étouffé. Il était soupçonné de vendre des cigarettes à la sauvette. Toutes ces images sont des vidéos tournées spontanément par des passants choqués. Pour dénoncer de telles brutalités, certains citoyens s'organisent et surveillent les faits et gestes de la police. Ils filment les flics, dans la rue, sans se cacher, puis diffusent les images sur Internet. Cette pratique s'appelle le cop-watching. Ça énerve les policiers, mais c'est complètement légal.